Cameroon, Bandu, Africa, Bandu, to the world, Bandu. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakore man, and proudly so your Anglophone brother. Welcome. I hope everything is okay. Et toi, vraiment méchant. Samuel et toi, hein, c'est un méchant. Je vous le dis. Celui qui ne comprend pas ce que je viens de dire là, c'est un méchant aussi. Donc, Gando a raison. Quand Gando dit que Samuel et toi est méchant, les gens viennent dire que Oko, non, 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 il est très méchant. Oui. Comment se fait-il que Gando avait ses privilèges, hein, quand il y avait les compétitions internationales, hein, et tout l'amenait, il était dans les hôtels de luxe et autres, et aujourd'hui, et tout ne l'amène plus. Vous ne pensez pas que c'est la méchanceté? Quand il tombait malade hier, et tout l'aidait pour ses soins. Oui, il envoyait l'argent et autres. Et aujourd'hui, il n'envoie plus l'argent. Vous croyez qu'il mange quoi? Les amis, ça fait rire, n'est-ce pas? Si ce n'est pas la mendicité, c'est quoi? Vous avez un papa qui pense que c'est les autres qui devraient prendre soin de lui. Et si quelqu'un qui n'est même pas de sa famille, parce qu'il peut même être de ta famille, mais il a d'autres chats à fouetter, il doit s'occuper de toi comme un bébé. Et quand il ne fait pas ça, tu pars de l'autre côté, tu essayes, tu tâtes le terrain partout. Je vais vous présenter ces deux vidéos. Vous allez comprendre entre Ngando et Eto qui est vraiment méchant. Parce que lui dit que Eto est méchant sur un plateau de télévision. Mais entre les deux, qui est vraiment méchant, qui est cynique à la limite, les amis, je vous suggère de regarder cette première vidéo. Moi, Ngando Piquet, la mascotte des Lions Indomptables. C'est moi, Ngando, qui parle. Tous ceux qui cherchent les problèmes à Samuel Eto'o, président Samuel Eto'o fils, ne me mêlez pas là-dedans. Pardon, s'il vous plaît. Je vois dans la toile partout Ngando Piquet demande l'argent de Coupe du Monde. Je n'ai jamais demandé cet argent. Je ne me suis jamais mis au devant de dire que Samuel comme ça, comme ça, comme ça. Alors, je voudrais que vous laissiez mon nom tranquille. Vous laissez le nom de Samuel Eto'o tranquille. Je n'ai aucun problème avec Samuel Eto'o. Je suis tombé gravement malade. C'est Samuel Eto'o qui me soigne. C'est lui qui me permet, avec l'aide de Dieu Tout-Puissant, que je marche comme ça. Alors ne me mêlez pas avec vos problèmes. Je n'ai aucun problème avec le président Samuel Eto'o fils. Il est venu là pour redresser notre football et qu'il fasse le travail. Nous sommes avec lui. Je me désolidarise complètement avec tout ce monde-là. Laissez le nom de Ngando Piquet tranquille. Samuel Eto'o fils, c'est mon fils. Il connaît tous mes problèmes. Il sait comment les gérer. C'est lui qui s'occupe de ma maladie actuellement. C'est lui qui me soigne. Alors je ne lui ai jamais rien demandé. Merci beaucoup. Écoutez quelqu'un avant la CAN qui parlait de Samuel Eto'o fils. Laissez-moi, ne me mêlez pas dans vos histoires. Je n'ai pas de problème avec Eto'o. Quand je suis malade ici, c'est lui qui me soigne. Il m'aide, il fait ceci, il fait cela. C'est Ngando Piquet qui parle avant la CAN qui s'est jouée en Côte d'Ivoire. Pour venir aujourd'hui sur le plateau de télévision, dit que Eto'o c'est un méchant. Donc c'est lui qui te soigne très souvent ou qui t'aide. Hein? Quand tu es malade, qui envoie l'argent pour que tu puisses te soigner. C'est lui qui est méchant aujourd'hui. Parce que quoi? Tu as pris sur toi hein, d'embarquer les gens pour la Côte d'Ivoire alors que le ministère a utilisé l'argent de contribuer pour te donner pour aller. Mais tu as pris sur toi de voyager avec les gens pour aller en Côte d'Ivoire. Et les gens ont commencé à dire oui, raconter du tout n'importe quoi alors que c'est toi-même qui s'est mis dans ce problème-là. Et tu as collecté de l'argent. Tel t'a donné, il a même minimisé l'argent de Mboma. Tel t'a donné 100 dollars. Souleymane nous t'a donné 100 dollars. Rigobert t'a promis l'argent, il ne t'a pas donné. Onana aurait acheté des billets d'avion et il a refusé. Et le frère d'Onana qui a dit que le gars de l'Afrique pour se les buvait de sang, Christian Onana. Je ne prends pas cela pour agent comptable. J'attends donc les déclarations de Christian Onana parce que c'est très grave ce qu'on a dit. Il n'est pas lion indomptable, il ne joue pas dans les lions. Sauf si c'est Onana qui dit qu'on boit le sang à l'Afrique. Donc vous voyez qu'on est dans quelque chose de très terrible. Et horrible même à la limite. Kengando se prononce comme ça hier et aujourd'hui parce qu'il a demandé qu'on loge ces gens qu'il a embarqués à la CAN et on ne l'a pas répondu. Et tout de suite, le président de la FECAFO devient méchant. Les amis, après cette vidéo, vous comprenez donc qui est le vrai méchant ici. L'homme africain et certains hommes camerounais, il faut faire très attention avec eux. Ils sont d'une méchanceté. On peut comprendre pourquoi les amis de la diaspora, souvent, quand ils veulent faire des affaires ici, ils font très attention, ils ont même peur à la limite parce que la méchanceté hein, est un plat que certaines personnes consomment à longueur de journée. Les amis, je vous montre encore une autre vidéo.
Vous allez comprendre pourquoi il dit que Gando a raison de dire que Eto'o est méchant. Du n'importe quoi, les amis. Il vous suggère de regarder. Eto'o m'a mis en haut. Vraiment. Oui, voici ma chambre. Voici ma chambre. Là, il disait Eto'o m'a gâté. Vous avez écouté, Eto'o m'a gâté. Il monte sa chambre au Qatar. Eto'o a gâté Ngando pour que Ngando vienne aujourd'hui insulter Eto'o à Mondo Vision. Il est méchant. Il est ici, les amis. C'est terrible. C'est terrible, les amis. Vous avez un aîné qui ne se respecte pas comme ça et qui vient prétendre ne pas être un mendiant. Ça, c'est la brutalité dans la mendicité. Il n'est pas seulement mendiant, mais ça frise la sorcellerie, ce genre d'attitude. C'est incroyable quand même, à la limite. Et vous allez voir, il y a des gens qui soutiennent cela. Mais avec les faits, moi ici, je présente les faits, rien que les faits, pour que vous compreniez. I don't take side. Mais c'est à partir des petits phénomènes qu'on détruit quelque chose de grand, qu'on crée un événement terrible pour pouvoir détruire tout. Donc, on doit commencer par le bas pour déconstruire ces différents mensonges. C'est très important, les amis. We don't receive lessons here from people. Now, you cannot give us any lesson. What we know is that most of them are corrupt-minded. Thank you, friends. Your Bamenda man, your Ekona man, Abiyangi man, Abiyabakuri man. I don't know, look at all. You'll be Anglophone. Thank you.